vous souhaite à tous une agréable semaine. Oui, par la grâce de Dieu, oui, tout ira à merveille. Coucou mes choubidous. Alors tout d'abord, je vous montre comment je suis habillée. Voilà. Alors, en fait, je dois absolument dire ce que je dois faire. En collaboration avec Univers Lydie et Paola Latina, et je crois que c'est, après je ne sais plus, mais je vous mettrai les liens des personnes qui le font. Comment se maquiller, comment je me maquille quand j'avais, comment je me maquillais quand j'avais 20 ans. Voilà, bref, donc je n'ai pas retrouvé une tenue équivalente, mais voilà, bon. En fait, j'étais très excentrique, j'avais les cheveux platine, j'étais coupée à la Jeanne Masse, brune, exactement la même chose, mais vous mettez en blanc platine. Comment je me maquillais? Il faut savoir que j'adore le violet, on m'appelle la fille en violet. Dans toutes mes affaires, il y avait du violet, attendez, je l'ai mal mis, je crois. D'accord? Enfin, c'est pas vraiment ça, mais voilà, on va faire comme ça. Pour l'instant, je vais les mettre comme ceci. Voilà, j'avais les cheveux extrêmement courts. Donc, je les rattache. Vous voyez, moi, je me prends pas la tête comme... Hop, hop, et je fais une boucle. Je vais aller chercher la pince, j'ai pas envie. Voilà. Donc, ensuite... J'avais beaucoup de bagues, j'avais beaucoup de bijoux, j'étais vraiment très, 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 très fashion victime, comme on dit. J'étais vraiment fashion. Ma mère travaillait dans la beauté, donc elle travaillait chez Chanel et chez Mugler. J'ai assisté à des défilés. Bref, voilà, bon, voilà, maintenant, je vous montre le vif du sujet. Alors, je ne faisais pas les sourcils parce qu'à l'époque, j'avais des sourcils, donc là, on va quand même les faire. Donc, j'avais beaucoup de sourcils, j'avais des sourcils très épais. Alors, on va essayer de faire... J'ai même pas pris de glace. On va essayer de faire les sourcils que j'avais. Beaucoup, 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 beaucoup. Voilà, voilà, voilà. Encore là, je fais pas assez, mais c'était comme ça. Alors, je ne mettais ni de fond de teint, ni de crème, ni de machin, je ne mettais rien. Parce que j'avais pas besoin. Et donc, du coup, je prenais juste un crayon noir. Le crayon, je le brûlais avec une allumette. Et je vais quand même regarder. Et je faisais ceci. Comme ceci. Comme ceci. Voilà. Et je mettais ici. Et je mettais là, à l'intérieur, voyez. Mais maintenant les crayons, alors je faisais ça, ok. Alors on va faire l'autre crayon, on va faire l'autre, comme ceci, un gros trait, je tirais mes larges, maintenant je tire plus, hein, mais je tirais beaucoup, beaucoup, beaucoup ma paupière, mais alors beaucoup, voilà. Et je faisais ici, à l'intérieur, comme ceci, et je vous soulevais là. Voilà. Alors, il faut savoir que je ne mettais pas de mascara. Mais là, on va mettre du mascara parce que j'avais des cils énormes. J'avais des grands, grands cils, mais en 2008, j'ai eu un cancer du sein, donc j'ai perdu beaucoup de poils. Vous aviez un autre make-up que je faisais. Ça, c'est le premier make-up. Et le deuxième make-up, il y a toujours le crayon noir. Toujours, toujours. Je faisais tout le temps, tous les matins. Même dans le métro. Pas dans le métro, dans le bus. Même dans le bus. Allez, hop, je mettais... je me maquillais dans le bus. Je mettais du vernis dans le bus. Bref, enfin, dans le bus, à l'arrêt du bus. Bref, c'était n'importe quoi. Même une anecdote, une fois, c'était dans le métro. J'avais... oublié de mettre mon vernis, j'étais extrêmement, mais je suis encore coquette, mais beaucoup moins, enfin plus comme avant quoi. Je mettais du, il fallait que je sorte tout le temps avec du vernis, super, voilà, tout le temps, j'étais super coquette. Et à part en vacances, bah, je me laissais vivre, voilà, mais sinon j'étais tout le temps
monde disait Sybille, on m'appelait tous Jeanne Masse, c'était clair et pourtant. Mais peut-être c'est mieux de faire comme ça et puis de faire. Voilà, j'avais quelques petites mèches roses ici, mais j'avais les cheveux. Brosse. Bon, alors, ensuite, ce que je faisais, un autre make-up que j'adorais, c'était, alors tout simple, hein. D'abord déjà, et d'une, j'avais pas de pinceau. Je vais prendre la Visionary de Make-up Revolution. Et voilà ce que je faisais. Je prenais du mauve. Voilà, les deux mauves, là, comme ça. Celui-là et celui-là. Et je faisais comme ceci. Voilà. Youp, youp, youp. Youp, youp. Je ne sais pas s'il y avait du irisé à l'époque, on ne sait rien. Voilà. Et voilà. Voilà. Je sais que c'est que le doigt. Voilà, comme ça. Par contre, je mettais du rouge à lèvres. C'est NYX, mais... Ben... Voilà. Je faisais comme ça. Je faisais comme ça. Je remettais du noir, attendez, hein. Voilà. Et là, je mettais sur mon doigt et je faisais ça. Voilà. Il n'y avait pas de fond de teint, il y avait de la poudre de soleil, mais ouais, je mettais de la poudre de soleil, on dirait. Et je remettais du noir. Allô, Houston, nous avons... Allô, Houston, nous avons un problème, nous avons perdu un make-up. Donc, je fais ça, je taillais toujours mon crayon. Toujours, avant, et je brûlais mon crayon quand j'avais envie de le brûler. Parce que quand on le brûlait, ça donnait ça. Je ne vous dis pas, regardez ce que ça donnait. Quand on le brûlait, ça donnait un crayon hyper gras. Non, je ne mettais pas en dessous, ça je sais, je ne mettais pas en dessous. Et je mettais surtout là. Voilà. Voilà comment je me maquillais. Et du coup, bah, je vais vous mettre la perruque. Mais c'est pas du tout ça. Hein. Oh les les, oh là là. On dirait une gitane. Oh, j'ai pas... Jobby, Joba. Nananananana, Jobby, 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 Joba. Nananananana, Jobby, 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 Joba. Voilà, ça faisait ça, hein, mais les cheveux en l'air. Alors maintenant, bah, on va faire comme ça, mais c'est... Et platine, n'oubliez pas, platine, blond platine. Je ne sais pas si vous imaginez quoi. Le look que j'avais des trucs que j'avais payé une blinde, un haut, rien qu'un haut, mais magnifique. Mais tout le monde me disait, mais qu'est-ce qu'il est beau, il était tout pailleté. Ouais, je me prenais pour une star, quoi. Mort de rire. Me prenez. Attendez. Ouais, c'est ça. Je la mets. On va faire comme ça, mais c'est pas ça du tout. Hein. On va faire ça. On va faire comme ça. Voilà, un peu. Mais il faut penser qu'ils sont comme ça, hein, et platine. Voilà. Voilà comment j'ai... Voilà, perruque, ça va pas. Il faut tout simplement imaginer couper comme ça. Là, et platine, voilà. Et les cheveux tirés m'allaient très très bien, voilà, comme ça. Et ça, de hauteur. Voilà comment je me maquillais quand j'avais 25 ans, voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, et je vous dis, et mes vêtements, c'était des vêtements hors de prix, quoi. J'avais pas de problème, j'avais rien, donc... Et puis maintenant, bah non, maintenant le jet à 20 euros, 30 euros, je m'en fous. Voilà, mais voilà comment j'étais. Alors, le make-up de près. J'ai oublié quelque chose. J'avais les cils aussi noirs, là, voilà. Et là, je vais vous montrer. Je ne vous cache pas. Là, c'est parce que là, je cherche et tout. Mais je mettais 5 minutes. Hein. Il n'y a pas un vêtement où il n'y avait pas du violet. Bah, c'est quand même pas mal, hein. Je peux...
peux sortir comme ça, hein, moi ça me dérange pas. Hein. Voilà comment je me maquillais. Voilà, ben, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis, I love you. Prenez soin de vous. I love you, Ishli Buddy. Je te quiero, ti amo. Alors ne faites pas ce que j'ai fait, parce qu'avant, dans le temps, c'était peut-être des trucs beaucoup plus naturels. Et là, ça me pique un peu. Ne faites pas dans la muqueuse, là je vais aller me démaquiller. Pas tout de suite. Et donc, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, cette vidéo est en collaboration avec Paola Latina et avec Univers Lydie et Paola Latina. Et papillon qui s'envole ou papillon qui vole. Mais de toute façon, je vous mettrai en lien. Voilà. Sur ce, je vous embrasse. J'espère que ma vidéo vous a plu. Et on va faire... Bye bye, ciao, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, ciao, voilà mon make-up d'il y a 20 ans, et court, platine, voilà.